Oh, on est bien là. Pas vrai, les enfants? On peut pas pêcher, nous aussi? Quand vous serez grand. Maintenant, on se tait et on profite de cette belle journée. Ouais, ben non merci. Moi, je vais me faire ma pause goûter. Salut la compagnie. Des bonbons? Quelle formidable idée! Les poissons de la vallée en raffolent. Ça fera un excellent appât. Mes bonbons! Très drôle. Eh bien, puisque c'est comme ça, on rentre au camp. Vous êtes tous privés de pêche jusqu'à nouvel ordre. Oh non! On s'éclatait tellement! Et pas la peine de supplier, Brian! Demi-tour, shoot! Brian? Ah, Brian, qui nous a évité de porter les machins d'Hippolyte toute la journée! Ouais, merci Brian! Il avait qu'à pas jeter mes bonbons. De toute façon, je m'en fiche. J'en ai plein d'autres. Mais je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le dernier arrivé à l'heure de pique-nique laisse sa part. Ouais! Brian? Brian? T'as oublié un truc? Un poisson qui marche et qui dit mon nom? Bah! Super histoire, les copains! Mais c'est n'importe quoi! Brian! 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 Ok, je vous crois maintenant. Bizarre, il y a comme une odeur de poisson. Oh! Vous êtes retourné pêcher en cachette? Alors ça, c'est du propre pour la peine. C'est carton rouge pour tout le monde. Et ça, c'est confisqué. Pourquoi il répète ton nom? Brian! On dirait qu'il t'adore. Mais oui! T'as empêché Hippolyte de les attraper. Alors t'es devenu leur héros. C'est ça, hein? Brian! Oh! Alerte! Hippolyte est de retour! Vous nous espionnez, là! Je ne vous espionne pas, je vous surveille. Parce que je vous connais. Vous êtes punis, mais dès que j'aurai le dos tourné, je sais que vous allez retourner pêcher. Pas du tout. Si, je le sais, mais je vous ai à l'œil. Et vous n'avez pas intérêt à ce que je voie l'ombre d'une nageoire de poisson dans ce camp. Ce que tu fais? Ils ont insisté. Et puis ils sont tellement sympas. Je pouvais pas les décevoir. Hippolyte nous surveille. Faut pas qu'il trouve les poissons. Ok, ok. Je les garde un peu pour leur faire plaisir et je les raccompagne au lac. Garder un peu. Eh ben non, en fait, j'ai décidé de les garder pour toute la vie.
Alors si Hippolyte trouve les poissons, tu t'en fiches complètement. Pff, tout de suite. Vous seriez pas un peu jaloux? Oh, une couronne. Merci les gars. Vous voyez comme ils sont cool? Prenez un peu exemple. Tu comprends pas? Ils veulent que tu sois leur roi. Trop bon! Le roi Brian. Ça sonne bien, non? Ah non! Pas dans l'eau! Bon, ça suffit maintenant. On se calme. Vous êtes qui, vous? Je suis le chambellan, Brian. Nous t'avons choisi pour accomplir la prophétie. Hein? Tu dois nous emmener jusqu'au lac de la montagne en nous guidant à travers le passage. Bah vous savez nager, vous pouvez y aller tout seul. Les dangers sont bien trop grands. Guide-nous et deviens notre roi. Nous te garderons les plus gros vers et tu pourras même choisir ta reine parmi les plus beaux spécimens du banc. C'est sympa, mais non merci. Un de ces quatre et bonne chance. Ils avaient l'air tellement déçus. Eh, faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, c'est des poissons. Ils ont besoin de personne pour y aller à leur lac de montagne. Les poissons changent de lac? Ça veut dire qu'ils vont passer par la rivière et que moi, je serai là pour les attendre. Vite, mon matériel! Au fait, merci pour l'information, les enfants. Pour la peine, punition levée. Oh là là, c'est bon ça. Oh non, les pauvres, il va tous les attraper. Je vais avoir besoin de vous, les cousins. Ici, ce sera parfait. Quand faut y aller, faut y aller. Poisson, en avant, nage. Vous allez quand même pas partir sans moi. Alors, vous venez ou vous restez là à gober les mouches? Brian, 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 Brian. Hippolyte, puisqu'on n'est plus puni, on peut pêcher avec vous? Ça nous apprendrait plein de choses. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. C'est d'accord. Ouvrez grand vos mirettes et regardez faire le pro. Admirez un peu ce lancer, les enfants. Hippolyte, pour la pêche, c'est mieux d'être droitier ou gaucher? Ça dépend de la canne. Et il faut des chaussures spéciales? Non, il faut juste des grosses semelles. Et chapeau, c'est important? C'est capital. Et la moustache, elle doit être comment? Bien taillée. Et les genoux? Et les épaules? Et la tête? Bon, ça suffit maintenant! La pêche, ça se pratique dans le silence! Alors chut, ou vous rentrez au camp! Ok, tout le monde reste bien calme. Non, restez concentrés sur moi. Les bonbons, Hippolyte a dit qu'ils adoraient les bonbons. Petit, 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 petit. Un poisson! Ah non, c'est juste un bout de bois. C'est bien, les enfants. Niveau silence, vous faites de sérieux progrès. Thank you.
Et voilà, il n'y a plus de danger. Vous continuez tout droit et vous arrivez au lac de la montagne. Au nom des poissons, je te remercie, roi Brian. Wow, doucement, c'est Brian tout court. Et sans vouloir vous vexer, je préfère rester au sec. Nous respectons ton choix. Si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Ouais, c'est ça. Poisson ! En avant ! Nage ! Pas mal joué le coup des bonbons. Finalement, t'aurais fait un bon roi ? Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais juste à m'habituer à mes nouvelles responsabilités. Eh, hey, mais j'y pense ! Je pourrais toujours être roi du camp. Et vous, mes petits sujets ? Alors là, tu peux toujours rêver. Je vous promets que je vais bien m'occuper de vous. Allez, faites un effort ! Vous serez pas obligés de me porter tout le temps ! Allez, quoi ?